la cathédrale Notre-Dame de Strasbourg, un symbole phare pour la ville et qu'on retrouve dans beaucoup de cartes postales ou de petits objets touristiques pour servir de souvenir. Enfin bref, quelque chose qui sert à Strasbourg pour son tourisme et aussi qui lui sert de symbole, quelque chose qui la représente, voire même qui représente toute l'Alsace. Et c'est pour ça que je l'ai choisi pour ce projet, qui est donc une performance, avec comme thème « À la manière d'eux », donc à la manière de l'artiste ici, Christo et Jean-Claude, qui ont pour habitude assez étrange d'emballer des monuments pendant un temps. Alors pour ma part, n'ayant pas vraiment les moyens d'emballer la cathédrale en entière, j'ai du coup décidé d'emballer sa miniature qui est juste à côté sur la place du château. Pour ce projet, à part le matériel, je n'avais rien prévu, c'est-à-dire que je n'avais prévenu ni la mairie, ni qui que ce soit pour venir emballer cette miniature de la cathédrale. Et puis il y a quelques personnes qui ont bien sûr été intriguées et qui sont venues me demander qu'est-ce que je faisais, comme là par exemple justement, il y a un employé de la mairie. Et puis moi je me suis dit à ce moment-là, ça y est, c'est mort, je vais me faire engueuler, je vais devoir tout remballer. Même peut-être avoir une amende. Et en fait, non, la personne était super gentille et me demandait simplement ce que je faisais. Et elle a même participé en mettant son doigt pour m'aider à faire des nœuds avec la ficelle. C'était vraiment très très drôle. J'ai découvert aussi qu'il y avait un lycée juste à côté de la cathédrale et il y a donc quelques étudiants qui, intrigués, sont venus me voir et me demander ce que je faisais. Le but de ce projet était, je pense, le même que Christo et Jean-Claude dans leurs œuvres d'emballement des monuments, essayer de donner au spectateur un nouveau regard sur ce bâtiment qu'il va croiser tous les jours, en lui donnant un aspect qu'il n'a pas l'habitude de voir, et puis ensuite en le dévoilant et en lui redonnant toute sa force et son aspect qu'il a en temps normal lorsqu'il est visible.